Je vous salue, mes chers élèves. J'espère que vous soyez tous prêts pour cette nouvelle leçon. Dans cette séance, vous allez découvrir avec moi les sons j et ch. Dans l'image, vous voyez Sarah qui charge les bagages. Elle pose sa jolie valise rose dans le coffre de la voiture de son papa. La famille va voyager pendant la nuit car le jour il fait très chaud. Ils vont chez grand-mère Aïcha et Had Shami. Vous voyez aussi les deux jumeaux qui sont assis tranquillement sur la banquette arrière de la voiture. Toutes ces informations, nous allons les formuler par les phrases suivantes. Alors, nous avons le petit texte. Sarah charge les bagages. La famille voyage la nuit parce qu'il fait très chaud. On va chez Aïcha et Had Shami. Les jumeaux sont tranquilles. Ce texte est composé de quatre phrases qui commencent par des lettres majuscules et qui se terminent par un point. La première phrase, c'est « Sarah charge les bagages ». Elle commence par la lettre majuscule S et se termine par un point. La deuxième phrase, la famille voyage la nuit parce qu'il fait très chaud. Elle commence par la lettre majuscule L et se termine aussi par un point. La troisième phrase, c'est on va chez Aïcha et Had Shami. Elle commence par la lettre majuscule O. Il se termine par un point. La quatrième et la dernière phrase, c'est « Les jumeaux sont tranquilles » qui commence par la lettre majuscule L et se termine par un point. Là, j'ai choisi quelques mots qui composent les phrases du texte. Nous avons « charge »,« chaud », »,« chez », Aïcha, Shami. Dans tous ces mots, on entend un son qui se répète. C'est le son ch. Nous commençons par le mot charge. Le mot charge est composé de deux syllabes. Char, je. On entend le son ch. Dans la première syllabe, char. Le mot chaud est composé d'une seule syllabe. Chaud, le D à la fin, c'est une lettre muette qui ne fait pas de bruit, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de son. Chaud. Le mot chami est composé de deux syllabes, cha, mi. Le son ch, on l'entend dans la première syllabe, cha. Dans toutes les syllabes, le son ch s'écrit avec les lettres c, h. Observez avec moi maintenant, mes enfants, les mots suivants. Charge, bagage, voyage, hajj, jumeaux. Dans ces cinq mots, il y a un son qui se répète. C'est le son j. Le mot jumeau est composé de deux syllabes. Jumeaux. Le son j, on l'entend dans la première syllabe, ju. Et il s'écrit avec la lettre j. Le mot charge est composé de deux syllabes, char, je. Le son j, on l'entend dans la deuxième syllabe, je. Ici, le son « j »
s'écrit avec la lettre G. Le mot bagage est composé de trois syllabes. Ba, ga, je. Le son J, on l'entend dans la troisième syllabe. La lettre S dans la troisième syllabe, c'est le S du pluriel. C'est une lettre muette qui ne fait pas de bruit. Le son J est écrit avec la lettre G. La lettre G ne fait pas le son J quand elle est accompagnée de la lettre A. Elle forme la syllabe GA, comme dans le mot garage. Quand elle est accompagnée de la lettre O, elle forme la syllabe GO, comme dans le mot gobelet. Et quand elle est accompagnée par la lettre U, elle forme la syllabe GU, comme le mot gulé. Le gulé, c'est un voilier turc, c'est-à-dire un bateau à voile. Parfois, pour que la lettre G fait le son J, on ajoute à côté d'elle la lettre E, comme dans le mot pigeon. Je suis sûre, mes chers élèves, que vous avez bien bénéficié de cette leçon. À la fin, il me reste de vous dire au revoir et à la prochaine séance.